Comme chaque année, le show de Noël des moniteurs a une fois de plus montré que les vacanciers présents dans la station font preuve d'un réel intérêt pour les fêtes de neige. Patrice Monnier, le directeur de l'ESF de Val d'Isère, le micro à la main, a animé comme un pro cette belle heure de spectacle. Ouais, ça s'est super bien passé, évidemment, parce que c'est la fête, parce que c'est Noël, parce que tous les enfants sont là et leurs parents, donc ça c'est top, et les moniteurs font toujours une joie. Plus compliqué avec la météo. Pourquoi ? Parce que le plafond était bas et les conditions pour les moniteurs de la descente au flambeau étaient relativement difficiles. Peu de visibilité, visibilité nulle et un peu compliquée. On a été obligé de réduire le feu d'artifice au sommet, on ne le voyait pas. Par contre, pour la partie démonstration, pour la partie show au pied du domaine sur la Savonnette, là c'était bien, les moniteurs se sont éclatés et les sauts étaient beaux et hauts. Malheureusement, à cause d'un plafond très bas, la purée de pois a tronqué la visibilité de la descente au flambeau. On va déjà dire une chose, nous sommes des privilégiés de pouvoir faire et d'offrir tout cela à tous nos amis vacanciers, grâce à qui on peut vivre ici dans nos montagnes. Et il est vrai que cette année, on a eu pour une ouverture, on va dire un petit Camel Trophy dans le brouillard, dans la fumée épaisse, l'humidité, mais tout s'est très bien passé. On se voyait pas très bien les uns des autres, mais on s'en est bien sortis. J'espère que le résultat a bien rendu. Bisous à vous tous et joyeux Noël, joyeuses fêtes. Mais le plaisir d'avoir assisté à un beau spectacle de montagne était intact au moment du vin chaud servi à tous par les moniteurs.